une nouvelle discipline que nous pratiquons au CMPAD. Il s'agit du ballet-spectacle. Le ballet-spectacle est né d'une idée de Sandrine, notre entraîneur, qui souhaitait que les enfants qui étaient en loisir ou en compétition puissent participer à une troupe et faire des spectacles pour montrer finalement tout ce qu'elles savaient faire. Ces spectacles ont été organisés à plusieurs reprises, plusieurs ballets ont été montés. Bon, le Covid a un petit peu freiné toute cette dynamique, mais cette année, ça a repris et pour notre grand plaisir, nos élèves de ballet ont pu interpréter deux ballets pour les écoles de la ville de Meudon. Ils ont eu un succès incroyable et ce soir, elles vont vous présenter trois morceaux du spectacle du Roi Lion. Mesdemoiselles, c'est à vous. Thank you.
te dira un peu comment il sera. Dépêchez-vous, les enfants. Plus vite on y sera, et plus vite on sera rentrés. Où est-ce qu'on va, en vérité? Dans un cimetière d'éléphants. Waouh! Regardez-moi ces deux-là. La petite graine de l'amour flamboie de la salade. Vos parents vont être transportés. En apprenant, vos épousailles. Quoi? Épousailles. Ça veut dire? Qu'un jour, tous les deux, vous vous marierez. Ah! On ne peut pas se marier, c'est ma copine. Ouais, ça paraît très bizarre. Mais vous n'avez pas le choix. La tradition remonte à des générations. Je sais, mais moi, je sais qu'on a la tradition. Pas tant que je serai là. Eh ben, c'est une idée. Bien joué, mais seul le roi peut faire ça. Ouais, c'est le futur roi. Oui. Et tu viens faire tout ce que tu veux. Non, non, pas encore. Avec une attitude pareille, j'ai bien peur de devoir devenir un pauvre futur roi de patatine. Ça, ça me donnerait. Je veux faire dans la tour des grands, entrer triomphale, en faisant très royalement, un registre bestial. Majesté, tu ne bouges pas, tu cours. Je voudrais vivre, je ne bouge pas, faire la peste de toi. Oh, on ne dit pas, d'ailleurs, quand je dis ça, on ne dit pas, je sais le dire, ce qu'il fait, pas ça. Réflexion.
sol plus bas qu'un derrière de vos cochons. Bébés comme vous êtes, faites attention. Robert et Lyon font rébellion. Je vois à vos yeux sans expression qu'il faut que j'éclaire vos lanternes. Nous parlons de roi, de succession. Vous êtes tout impliqué dans la fête. Soyez prêts pour la chance de votre vie, car enfin va venir le grand jour. Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? M'écouter et vous taire. Faites-moi confiance pour votre récompense. Vous l'aurez quand viendra ce grand jour, quand la gloire couronnera. Nous allons le tuer, mais si pas aussi. Bonne idée, on vivra sans mort. Sans mort, la 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 la. Idiote, il y aura la mort. Oh, mais t'avais dit que je serai le roi. Suivez-moi. Et vous n'aurez plus jamais faim. Ouais. Youpi, non, il y aura la mort. Que vous exécuterez mes ordres, j'assure un futur plein de captures, puisque je suis le roi des chasseurs. Par contre, sans moi, je vous l'assure, vous mourrez de faim pour la vie. Soyez-moi. Je dis conspiration, je crie humiliation. Trois mots qui me feront voir et respecter, saluer. Seul, non, la gloire, votre porte, ça ne
Merci, c'était magnifique. Nous avons voyagé en Afrique grâce à vous.